En Italie, là, oui, avant d'épouser une femme, là, il faudra bien regarder, il faudra vraiment bien regarder. La famille, salut à tous et bienvenue encore si Jésus nous suit une fois de plus. Merci de vous arrêter là, merci de liker et de partager cette vidéo au maximum. Oui, Jésus nous est de retour, Miss Congo est de retour avec Nouveau Congo pour vous. Restez juste connectés jusqu'à la fin, ok? Aujourd'hui, je vous amène quelque chose un peu de différent, mais juste que ici, c'est Jésus News et je donne les news comme il se faut, ok? Aujourd'hui, nous allons parler de cette femme nigérienne et précisément, elle vient de Edo State, Benin, ok? Et ça s'est passé hier en Italie. Pourquoi j'amène cette vidéo ici? C'est pour que nous apprenons, ok? Il y a plusieurs personnes qui font des erreurs comme ça, et puis c'est pas bien, c'est pas bien. Restons juste connectés et nous allons apprendre, ok? Et laissez vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, surtout ce que je dois dire là, ok? C'est du jamais vu, je vous dis. C'est du jamais vu. Je n'ai moi jamais vu ça. Oh. À part que je vois, je vais dire moi ma vérité. Je vois toujours ça sur les Nigériens. Les Nigériens ici en Europe, ils vont vraiment, je ne dis pas tous les Nigériens en tout cas. Il y a certaines parties des Nigériens là, surtout les Bini. Les gens qu'on appelle les Bini là, Edo State, mais ils sont de Bini particulièrement. Eux là, son mari a dit, je vais mettre la vidéo quelque part ici pour que vous le voyez vous-même. Son mari a bien dit, oh, si vous voyez une femme Bini, une femme nigérienne qui vient de cette tribune Bini là, fuyez jusqu'à. Si on met le serpent, on met cette femme-là, choisissez le serpent, puisque vraiment, ce que cette femme a fait, ce que cette femme a fait, vous allez voir vous-même. Benin women for Italy. Anybody want to Italy will never marry for Italy. If you not see Benin women, more they don't know. Benin women, they're bad though. Woman, when I say I'm married with my wife, now they attack my mother-in-law this morning. You don't call police, can say me, the husband, will go prison. Bananoba. Est-ce que vous avez entendu ce que son mari a dit? Son mari a dit que si vous voyez les femmes bénines là, vous fuyez jusqu'à ce que ce que lui il a pris ses yeux. Oh, Jésus est toujours là. Bon, alors sur notre sujet, elle a appelé le policier, les policiers pour son mari. Et vous savez, en Italie, en Europe, surtout en Italie et Allemagne, comme je le connais, si vraiment vous faites ça devant les enfants, et ils n'aiment pas ça, ils vont venir prendre les enfants. C'est pour ça que vous voyez, quand les gens là décident, ils prennent les enfants des femmes, ils sortent sur les réseaux sociaux. Ouh, le gouvernement a pris mes enfants. Le gouvernement a fait ceci. Le gouvernement a pris mes enfants. Aidez-moi. Oh. Le gouvernement italien. Oh. Le gouvernement allemand est mauvais. Oh. Oh. Vous voyez maintenant comment ils sortent pour parler. Mais ils ne disent pas vraiment ce qu'ils ont fait. Ok? Ils ne disent pas vraiment. Vraiment, quand ils restent devant les enfants, je peux pas mettre toute cette vidéo dessus, puisque vraiment, je sais pas si tu dois accepter ça. Il reste devant les enfants, jusqu'à elle dit à ses enfants que, vous voyez, grand-mère c'est une vampire. La grand-mère là c'est une vampire. Votre grand-maman, elle me tape, elle me fait ceci. Mais toi, tu as tapé la grand-mère des enfants, là, tu n'as pas parlé. Oh. Toi, tu l'as dosé, tu n'as pas parlé. Oh. Quelle femme qui va prendre sa main et doser sa belle-mère? Quelle femme qui va prendre sa main et doser sa belle-mère vraiment? Et dire que, voilà, c'est une bonne femme. Même si ta belle-mère te fait quoi? Même si elle met le piment dans tes yeux, est-ce que tu dois soulever ta main et taper ta belle-mère? Quel genre de femme? Même si ta belle-mère te fait quoi? Tu n'as pas le droit de lever la main sur ta belle-mère. Et maintenant, là, vous faites la bagarre tous les jours devant les enfants. Voilà les policiers que tu as appelés maintenant. Quand ils vont venir prendre les enfants, tu vas sortir sur les réseaux, c'est ça. Oh, on a pris mes enfants. Oh, il n'y a pas de mariage qui est trop sucré sans problème. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ici, là, partout, c'est seulement le toit, c'est là qui cache ce qui se passe dans les mariages des gens. Il n'y a pas de mariage sans feu. Il y a vraiment cette fille-ci que vous voyez, c'est cette femme. Oh. Il paraît qu'elle a une copine alors qui lui dirige, qui lui manipule comme la télé. Et qui, donc, je ne sais même pas quoi je vais dire. Il paraît qu'on dit que c'est sa copine-là qui vraiment, qui lui, que c'est chez sa copine lui raconte comment son mari ne porte pas main sur elle, comment sa belle-mère ne lui parle pas, comment ceci se passe. Maman,
Yeah, quand tu regardes le mariage des gens et que tu veux vraiment appliquer ce qu'ils font dans leur mariage, dans ton mariage, maman, ça échoue toujours. Ça rate toujours 100%. Fais ce qui te plaît dans ton mariage. N'écoute pas que, oh, ma belle-mère ne peut pas me parler fort. Oh, ma belle-mère, je contrôle ma belle-mère. Oh, patati patata. Oh. Tu viens maintenant que tu vas venir utiliser que la force dans ton mariage. Maman, ça rate, ça échoue. Ce qu'il dit, hein, c'est partout. La communauté anglo, là, c'est de ça qu'il parle depuis hier. Et je dis, non, moi, j'ai ma famille, je suis civile. Ils n'écoutent pas l'anglais. Je vais venir traduire ça en français pour vous. Oui, il n'y a pas de Congo qui doit passer là sans que Jésus ne vienne dire à sa communauté, sa famille francophone, là. Tout là, je vais venir ici vous dire. Vous allez connaître ce qui se passe. Ça s'est passé hier en Italie. Comme vous voyez là, elle a pris le téléphone, oh, elle criait, oh, oh, là, les enfants venaient voir, oh, oh, mon mari me tape, oh, et son mari ne l'a pas tapé. Je n'ai pas vu la vidéo où son mari a posé main sur elle, quoi. Et c'est elle que son mari accuse que elle a eu à gifler sa belle-mère, elle a eu à insulter sa belle-mère. Et même sur la vidéo, elle dit que sa belle-mère c'est une vampire, elle dit que sa belle-mère c'est sa belle-mère qui bloque les papiers de son mari, que sa belle-mère a fait ce qu'on a pris les papiers de son mari, elle dit que sa belle-mère a tué les premiers enfants et tout et qu'on sort. Mais sa belle-mère ne fait que l'accuser et elle ne fait qu'accuser sa belle-mère. Mais mon problème, c'est juste que je ne supporte pas la belle-mère aussi. Moi, je dis que si ta belle-mère te fait quelque chose qui n'est pas bien, reste-toi tranquille. Dis à ton mari, si ton mari ne veut rien faire, reste-toi tranquille. Éloigne-toi même de ta belle-mère. Tu n'es pas obligé de sortir, faire une vidéo. Maintenant, partout sur les réseaux sociaux, c'est la vidéo de la femme, c'est là. Partout. Peut-être que vous avez même vu cette vidéo, mais vous ne savez pas de quoi il s'agit. Partout sur les réseaux sociaux, c'est les photos, les vidéos, les enfants sont là. Et mon problème, c'est les enfants là. Ne restez pas devant les enfants. Enfants bagarrés, insultés, grand-mère vampire, grand-mère ceci, c'est pas bien. Même si tu as des problèmes avec ton mari, même si tu as des problèmes avec ta belle-mère, ne restez, attends même quand les enfants dorment. Ou bien vous envoyez les enfants dans la chambre. Maintenant, voyez les petits enfants comme ça là. Tu es derrière encore et dis que, oh, c'est la belle-mère qui me tape. Oh. Votre grand-mère est vampire. Ne partez pas vers votre grand-mère. Et vraiment, si on creuse et on voit que la belle-mère n'est pas vampire maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vraiment, ça, c'est pas bien. Ça, c'est une éducation pour tout le monde. Je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas de lever main sur votre belle-mère. Je ne vous conseille pas aussi de faire les problèmes de bagarrer devant les enfants. C'est pas bien. Cachez même les enfants. Surtout ici en Europe, on prend les enfants par rapport aux choses comme ça là. C'est pour ça que vous voyez la majorité des femmes quand ils sortent maintenant. Eh, oh, le gouvernement a pris mes enfants. Oh, oh, le gouvernement a fait ceci. Oh, oh, venez m'aider. Oh, je ris seulement. Je dis que demandez à cette femme qu'est-ce qu'ils ont fait. A vraiment lavé le cerveau de son mari. Son mari conseille les jeunes. Si toi tu es jeune et que tu es Nigérien ou bien tu es de quel pays et que tu sors avec une fille Bini, que n'épousez pas les filles Bini, oh, il dit bien, c'est pas moi qui dis, oh, c'est la vidéo qui dit, c'est son mari qui dit, que vous les célibataires là, que vous n'êtes pas encore mariés, si vous voyez une fille Bini, fuyez jusqu'à caca, ne vous arrêtez même pas, parce que les filles là, mais vraiment dit, depuis que je suis en Europe, partout où je passe, oh, toutes les choses que j'entends, c'est toujours les Bini. Mais les Bini, là, vraiment, on vous avait fait quoi? On vous avait fait quoi? Toutes les choses, les mauvaises choses qui se passent en Europe, c'est que vous. Wow, on vous a... Mais vraiment. Les filles Bini. Hey! Et si c'est la bagarre, ils ont la bouche, maman. Ils ont la bouche de ça. Ils ont... Et si je vais même bien regarder, la majorité de n'ont pas fréquenté, oh. C'est pas que je les insulte, mais je dis, moi, ce que je vois. La majorité des filles Bini, là, ils ne fréquentent pas. Tout ce qu'ils connaissent là, c'est argent en main, pantalon en bas. Argent en main, caleçon en bas. C'est tout ce qu'ils connaissent là-bas haut. Mais, si c'est pour... Si c'est pour crier, ils sont fortes pour ça. Donc, son mari vous conseille, oh, n'épousez pas les filles Bini, les gens qui sont célibataires là. Parce que l'expérience a prouvé que sur 100, il y a 99% de mauvais. Donc, il y a seulement une personne parmi les Bini là qui est bien. Pas tous les Nigériens, je vais préciser bien les Bini et d'autres, mais ils sont de Bini. Je précise bien, c'est pas tous les Nigériens, oh. Avant que vous venez ici dire que, je dis, ça dit que tous les Nigériens sont mauvais. Non. Il y a des, même moi, je suis que dedans. Mais il y a des personnes, il y a des Nigériens vraiment bien, les Igbo et tout et consorts. Mais les Bini,
C'est ce qu'on a dit. Même son mari a dit, c'est pas Jésus-Nus qui dit. Donc, j'ai dit non, pourquoi pas amener la famille Jésus-Nus pour vous dire ce qui se passe, puisqu'il y a notre Congo qui vient là. Je vais mettre ça peut-être le soir. Et concernant Anita Joseph, je ne sais pas si vous la connaissez, une actrice nigérienne. Et concernant l'autre, Chizuyi Chiwi aussi, une actrice nigérienne. Donc, après cette vidéo, quelques heures après ou bien le soir, je vais mettre cette vidéo. J'ai déjà filmé cette vidéo, ok? Donc, restez juste connectés sur Jésus News TV pour beaucoup de news comme ça. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de me donner un big thumbs up. Invitez vos amis, vos copines qui a le vrai Congo sur Jésus News TV.